Ici, on se retrouve à l'entrée du musée, à l'entrée de l'exposition, avec une première salle avec des pâtes. Et ensuite, on invite la personne à venir suivre un petit peu le parcours de l'œuvre avec une citation de Picasso qui montre qu'on peut réinterpréter plein de fois les mêmes choses et faire plein de variations à partir des mêmes éléments. Ça permet de voir encore une fois des pâtes et des croûtes de fromage qu'on va retrouver de l'autre côté, jouer côté 2D cette année, de ce côté-là pour en 3D derrière. Et après, on va accéder au jardin avec le déjeuner sur l'herbe qu'on peut voir apparaître sur toute la longueur du plateau. Là, le but, c'était de montrer un moment de plaisir, de partage, de convivialité. Et dans l'œuvre, du coup, on a voulu intégrer de la vraie herbe, puisque l'herbe, ça nous permet d'avoir du bon lait. C'est un élément essentiel pour nous, fromagers. Et en haut, pour rappeler également un autre élément qu'on utilise notamment dans certaines caves d'affinage, on a fait un clin d'œil en mettant de la pozzolane. Donc le but, c'était de ramener un peu de la naturalité au sein de l'œuvre.